À 150 millions de kilomètres du Soleil gravite une belle planète bleue. Ce coin de paradis, c'est la Terre. Vous savez que notre planète est gorgée d'eau. Elle a des océans, des glaciers, des rivières, une atmosphère chargée de vapeur. Et dès qu'il y a de l'eau, il y a de la vie. Dans tout le système solaire, on ne trouve la vie que sur la Terre. C'est ce qui la rend si précieuse et c'est ce qui fait nous questionner sur son origine et son destin. Comment la Terre a-t-elle développé la vie ? Chaque civilisation a tenté de l'expliquer à travers différentes légendes. Les Indiens d'Amérique du Nord, comme les Pawnees du Nebraska, vivaient dans de grandes plaines, s'étendant depuis les régions glacées de l'Alaska jusqu'au désert brûlant du Mexique. Très proches de la nature, ils vivaient en harmonie totale avec elle. Pour eux, le ciel semblait rejoindre le sol et former une immense calotte recouvrant une terre plate. Voici comment leurs sorciers racontaient la naissance de la terre et de la vie. Au commencement de tout, le ciel est habité par un grand chef connu de tous les Indiens. Son nom est Tirawa. Un jour, Tirawa décide de créer la terre et les hommes. Pour cela, il demande au soleil de donner la lumière et la chaleur. Il demande à la lune d'éclairer la nuit. L'étoile brillante, plus connue sous le nom d'étoile du soir, est chargée de créer les hommes. Quant à la grande étoile, celle du matin, elle est chargée de les protéger. Tirawa demande ensuite à quatre autres étoiles de se placer aux points cardinaux du ciel pour mieux le soutenir. Quand tout est en place, Tirawa dit à l'étoile du soir « Je vais t'envoyer les nuages, les vents, les éclairs et le tonnerre. Et lorsque tu les auras reçus, tu les placeras près du jardin céleste. » Aussitôt, les vents se mettent à souffler. Les éclairs et le tonnerre pénètrent dans les nuages en train de se rassembler. Tirawa laisse alors tomber un gros caillou qui traverse l'épaisseur nuageuse, laissant apparaître une immense étendue d'eau. Il donne ensuite aux quatre étoiles du ciel de grosses masses pour frapper les eaux. Celles-ci se séparent et la terre apparaît. Alors, Tirawa et les Indiens du ciel se mettent à chanter pour célébrer la création de la terre. Et les éléments commencent à bouger. Les nuages, le vent, les éclairs et le tonnerre se rassemblent. Et tous ensemble, ils font éclater le plus gros orage de tous les temps. Tant et si bien que la terre se plisse, formant les montagnes et les vallées. Puis le chant reprend de nouveau. Il célèbre les bois et les prairies. Aussitôt après, un nouvel orage éclate qui laisse la terre verdoyante et couverte d'arbres. Une troisième incantation, et les fleuves se mettent à couler. Au quatrième champ, des graines de toutes sortes germent et enrichissent la terre. Alors Tirawa retourne voir l'étoile du soir et il lui dit « Maintenant que la terre est là, tu peux créer les hommes. Pour cela, il faut que tu t'unisses à l'étoile du matin. » Ce qu'ils font sans protester et ils conçoivent une fille. Tirawa demande la même chose au soleil et à la lune et ils conçoivent un garçon. Les deux enfants grandissent ensemble. Tirawa leur enseigne les secrets de la nature. Il donne à la fille les graines et l'humidité pour les faire fructifier. Il lui apprend l'art du feu et de la parole. Il donne au garçon les armes du guerrier. Il lui apprend l'art de se servir d'un arc, d'un calumet et des pierres à feu. Un jour enfin, les deux enfants sont prêts à descendre sur terre pour la peupler. Mais avant, Tirawa demande à l'éclair de préparer leur venue. Il lui remet le sac aux étoiles qui renferme les constellations. Après avoir parcouru la terre, l'éclair doit sortir les étoiles de son sac pour les suspendre au firmament. Seulement, le sorcier Coyote, jaloux de la puissance de Tirawa, trouve le sac et il le vole. Il en fait sortir toutes les constellations. Mais celle-ci, furieuse de ne pas trouver leur maître, l'éclair, tue le Coyote. Et voilà comment la mort est arrivée sur Terre en même temps que les deux premiers êtres humains. Tirawa est alors obligé d'enseigner aux garçons le rituel des sacrifices pour conjurer la mort. Une fois adulte, il devient le chef des hommes. Il fait construire un camp circulaire et il dispose les tentes de la même manière que les étoiles sont fixées dans le ciel, en souvenir de la façon dont la Terre avait été créée.
Régulièrement, les Indiens font une danse sacrée autour du centre du camp, de la même façon que les étoiles tournent autour du pôle céleste. Mais la mort n'a jamais plus quitté la Terre. Elle ne la quittera plus jusqu'au jour où tout disparaîtra et où l'étoile du Sud, l'étoile de la mort, règnera sur l'univers. Tous les hommes seront changés en poussière d'étoiles et leurs âmes voleront vers la Voie lactée, qui est le chemin qu'empruntent les morts pour aller au ciel. Cette légende poétique nous rappelle que l'apparition de la vie sur Terre, ainsi que le sort de l'espèce humaine, sont étroitement liés aux éléments naturels. La terre, l'eau, l'air et le feu, c'est-à-dire l'énergie. Il est frappant de constater à quel point les Pawnees l'ont ressenti et intégré dans leur propre culture. Or, la science moderne n'a fait que renforcer cette interdépendance. Voici comment les astrophysiciens racontent la grande fable de la planète bleue. L'histoire de la Terre commence en même temps que celle de notre étoile, le Soleil. Il y a 5 milliards d'années, une étoile géante meurt et elle explose en supernova. L'onde de choc se propage à travers l'espace en direction d'un grand nuage d'hydrogène que l'on appelle la nébuleuse protosolaire. Cette nébuleuse implose et elle donne naissance à des anneaux de gaz et de poussière. Au centre du noyau, une véritable fournaise nucléaire s'embrase. Notre Soleil vient de naître. Un gigantesque chaudron d'énergie contenant 99% de la matière du nuage originel. Le 1% qui reste, c'est le gaz et les grains de poussière peuplant la nébuleuse. Ils se condensent et ils s'agglomèrent progressivement pour engendrer tous les corps de notre système solaire. Les planètes rocheuses, les astéroïdes, les grandes planètes gazeuses, les comètes et les météorites qui parcourent le système solaire en tous sens. Tous sont issus du même berceau, un gros nuage d'hydrogène, né il y a exactement 4,5 milliards d'années. Au début, la Terre ne possédait ni l'eau ni la vie. C'était un bloc de roche en fusion. Les éléments les plus lourds ont coulé au centre de la Terre. Le noyau interne de notre planète se compose donc de fer et de nickel à l'état solide. Autour se trouve un noyau externe empli de magma en fusion. La chaleur qui y règne est due à l'énergie dégagée en permanence par la radioactivité naturelle. Enveloppant le tout, le manteau terrestre contient tous les minéraux et les métaux que l'homme utilise aujourd'hui dans la joaillerie et l'industrie. Le champ magnétique de la Terre est engendré par les mouvements de la matière en fusion au sein du noyau. Les pôles magnétiques nord et sud ne sont donc pas fixes, ils bougent lentement. Les pôles nord et sud peuvent même s'inverser, ce qui est déjà arrivé plusieurs fois dans le passé, comme en témoigne l'orientation de petites aiguilles de magnétite prisonnières dans des roches anciennes. Si une telle inversion se reproduisait aujourd'hui, ce serait sans doute une catastrophe naturelle pour les oiseaux, car beaucoup d'entre eux s'orientent grâce au champ magnétique terrestre. Au centre de la Terre, le magma brûlant exerce une pression sur la couche supérieure du manteau. Les conséquences de cette pression se traduisent, à la surface, par la dérive des continents. Si l'on observe le fond des océans, on peut y voir de longs sillons de crêtes montagneuses. C'est de la roche en fusion, ayant surgi brusquement du manteau et provoquant la séparation des plaques tectoniques. Si l'on vidait tous les océans, on verrait bouger ces plaques tectoniques qui portent les continents. À certains endroits, elles se rencontrent, ce qui engendre les volcans. Ailleurs, elles se séparent, ce qui crée des fissures d'eau chaude. Et c'est là, dans les sources hydrothermales du fond des océans, que la vie a pu apparaître. Mais une autre hypothèse attribue la vie à une origine extraterrestre. Nous avons en effet découvert la présence de molécules organiques dans les météorites. Le bombardement intense de corps extraterrestres aurait pu apporter à la Terre primitive, dans les premières centaines de millions d'années de sa formation, une partie de la matière organique qui est à l'origine des premiers constituants de la vie. Quoi qu'il en soit, les premières cellules vivantes sont apparues dans l'eau et elles remontent à 3,8 milliards d'années.
Un jour, des végétaux ont poussé pour la première fois sur la terre ferme. Au début, l'atmosphère était chargée de dioxyde de carbone. Comme les végétaux ont rejeté de l'oxygène, ils ont modifié la composition de l'atmosphère terrestre et ils l'ont rendue respirable. Dès lors, tout s'est précipité. Il y a 600 millions d'années, sont apparus les premiers vertébrés. Il y a 200 millions d'années, les premiers mammifères. Quant à notre propre espèce, Homo sapiens, elle est très récente, 10 millions d'années. Nous sommes donc très loin des conceptions des Indiens du Nebraska ou même d'autres légendes plus anciennes. Pendant des siècles, on a pensé que l'histoire de l'homme était la même que celle de la Terre qui avait été créée pour l'abriter. Or, grâce aux découvertes de l'astronomie, de la géologie et de la paléontologie, la science nous a révélé que l'âge de la Terre se calculait en milliards d'années et que l'homme ne représentait plus qu'une infime partie de cette immense durée. Il devient donc difficile de défendre les théories de nos ancêtres, disant que l'homme est l'œuvre des dieux et le centre de l'univers. Il n'en reste pas moins que notre planète est un lieu de vie idéal. Mais il faut la protéger de son plus dangereux ennemi, l'homme lui-même, son enfant, qui semble oublier en ce moment à quel point sa mère, la nature, est fragile.